Alors, du coup, on va faire cette petite boîte carte, en fait. Voilà, donc ça se présente comme ça. On l'ouvre. Et quand on ouvre, on a une petite carte, comme ça, marquée Happy Birthday. Et en fait, on la décore avec plein de petites choses. Voilà, c'est une petite carte qui est toute munie. Derrière, on fait la même chose. Et ici, en fait, vous pouvez coller un petit papier pour y mettre votre petit mot. Moi, là, j'ai collé un petit morceau. Mais on pourrait imaginer, en fait, on va le faire sur l'autre, y coller un petit morceau de papier pour venir écrire votre petit mot. Et là, vous pouvez mettre des photos. Si c'est par exemple pour l'envoyer pour un anniversaire ou pour la fête des mamies ou pour autre chose. Et donc, elle se referme comme ça. Hop, tac, tac. Et on a juste à refermer comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans une enveloppe, c'est pas top. Bah, quand vous êtes invité chez quelqu'un qui a un anniversaire ou une fête ou autre, eh bien voilà, vous remettez, derrière vous mettez votre petit mot, et puis là, vous pouvez mettre des petites photos. Voilà. Donc du coup, pour faire cette petite boîte, cette petite boîte carte postale, il va vous falloir, on va faire d'abord le couvercle. Il va vous falloir pour le couvercle un morceau de papier, je vois pas clair, de 14 cm par 9 cm. Et vous allez faire un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Voilà, alors on va plier. Hop, on va couper. Donc on va couper dans le même sens. On va faire un biseau uniquement que sur l'intérieur. On va faire le couvercle en premier, comme ça, il va avoir le temps de sécher. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, on va prendre des petits morceaux de papier déco. Alors, ça, c'est pour mettre sur le dessus. Je vais retrouver mes petits morceaux de papier. Ils sont là. Alors, il va vous falloir pour mettre autour. Mais si c'était celui-là, bon, c'est pas grave. Hop, hop. Et sur le dessus, j'ai pris cette petite image. Voilà. Alors, il vous faudra des petits morceaux de papier. Deux morceaux comme ça. Ceux-là, ils font exactement, je ne sais plus, 9,6 par 1,6. Alors, 9,6 par 1,6 cm fois 2. Et là, fois 2, c'est 1,6 par 4,6. Voilà. Alors, 1,6 par 4,6 fois 2 et 9,6 par 1,6 fois 2. Et là, ici, sur le dessus, c'est 9,6 par 4,7. Voilà, ça, c'est pour le couvercle, d'accord? Donc, on va coller. Après, vous faites la déco que vous voulez. Hop. Tac. Je la mets au milieu.
simple. On va coller, assembler notre couvercle. Voilà, maintenant on va coller nos petites languettes. Alors, je mets bien bord à bord et on colle. Et voilà, notre couvercle va être terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre petite boîte carte. On regarde si tout est collé comme il faut. Voilà, donc ça, le couvercle, on le laisse de côté. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier. Hop. Alors, ce morceau de papier fait 29,4 par 14,7. Sur les 29,4, vous allez faire un pli des deux côtés à 4,9. Hop, on retourne et on fait la même chose. 4,9. Et 9,8. Bah oui, c'est ça. Voilà. Je veux dire que j'ai pas fait de bêtises de ce côté-là. J'ai bien fait un 9,8. Yes. Sur les 14,7, vous allez faire un pli à 4,9 des deux côtés. Alors, 4,9 de ce côté-là. Et de l'autre côté, on fait la même chose, 4,9. Voilà, donc ça nous donne ça. Ensuite, on va marquer les plis et on va couper. Et après, on n'aura plus qu'à coller nos petits carrés recto verso. Hop. Hop. Alors, on va couper de chaque côté la même chose. On coupe ici le premier carré, le deuxième carré. Ici, on fait pareil.
Ici, on fait pareil. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. On a notre petite boîte qui est prête. Donc, moi, ça va être le côté extérieur et là, le côté intérieur. Alors, vous allez couper des petits morceaux de papier. On va faire d'abord l'extérieur. Donc là, j'ai dit que je mettais pour un petit mot. Non, je vais faire l'intérieur d'abord. Alors, j'ai fait une petite scénette. J'ai coupé un morceau de... Toc, 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 ça c'est mes lames. J'ai coupé un papier avec les dimensions adéquates pour faire une petite scénette en fait. Hop. Voilà, comme ça tout va se rejoindre. Alors là, j'étais obligée de couper en deux, mais c'est pas grave, ça se verra pas. On va les rapprocher comme ça et on va les mettre. Et comme j'ai marqué joyeux anniversaire ici, ça ne se verra pas. Voilà. Ça, c'est une petite scénette. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'en ai 4 des trucs comme ça? Ah oui. Alors, j'en ai... Après, vous pouvez prendre des petits morceaux de papier différents. Moi, je les ai matés. Hop. Vous mettez d'abord vos papiers comme vous avez envie de les mettre. Tac. Là, on met... Là, j'ai des coccinelles. Une coccinelle ici, une coccinelle ici. Hop. Et puis, du coup, je vais faire coccinelle ici et coccinelle ici. Dans ce sens. Voilà. Donc, voilà, ma petite scénette, elle est faite. Je vais tout coller, parce que là, pour tout coller, et je vous retrouve après pour faire l'autre côté. Alors, là, je suis en train de faire l'envers. Donc, j'ai commencé à coller mes papiers. Au milieu, j'ai mis un petit papier ici pour mettre un petit mot, et je vais vous dire exactement ce qu'il faut. Parce que je ne vous ai pas donné les dimensions. Donc il vous faudra 24 petits carrés de 4,7 par 4,7 et il vous faudra 6 rectangles de 9,6 par 4,7. Donc les petits carrés, c'est ce qu'il y a autour et les petits rectangles, c'est les rectangles. Il en faut 3 de chaque côté. Le couvercle, on a déjà fait. Donc 24 de 4,7 par 4,7 et 6 de 4,7 par 9,6. Je vais vous mettre arrêt sur image sur mon petit croquis que j'ai fait. Vous aurez tout. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Ça, c'est l'intérieur. Donc vous voyez la petite scénette que j'ai là. En fait, elle s'ouvre à l'intérieur. Alors, je vous mets mon petit truc. Là, c'est le haut. Donc c'est la boîte. Et en bas, c'est le couvercle avec tous les petits carrés et les rectangles qu'il faut. Couvercle et boîte. Voilà, comme ça vous avez tout. Donc du coup, eh bien moi je vais mettre anniversaire ici, ça tient très bien. Et je vais mettre joyeux en haut ici. Et je viendrai mettre une petite fleur ici sur le côté. Donc je le colle. Du coup, voilà, ma petite boîte est terminée. Donc, du coup, j'ai décoré mon
petit couvercle. J'ai mis des fleurs de chez Wash Step Shop. J'adore tout ce qu'ils font. C'est génial, quoi. N'hésitez pas à commander. Franchement, c'est super chouette. Super chouette. Et ça colle hyper bien. Et voilà, c'est très joli. Donc là, j'ai mis un petit nœud sur ma fleur. Et puis du coup, eh bien, j'ai fait une petite sonnette à l'intérieur. Voilà. Avec mes petites souris. Du coup, pareil, j'ai été rechercher des petites feuilles pour faire un petit peu de brillant de chez Washi Tape Shop que je suis venue coller. Donc, je trouve que ça fait super joli. Alors, je sais pas, voilà, vous voyez, ça fait un peu de brillance. Là, il y a des petites feuilles que j'ai mis dedans. Voilà. Et puis, j'ai marqué joyeux anniversaire. Et puis derrière, eh ben, voilà, j'ai mis juste des petits papiers. Et on colle ce que l'on veut. Voilà. Donc, elle se referme comme ça. Hop. Hop. On met le petit mot derrière. Le petit couvercle. On peut même mettre un petit cadeau à l'intérieur. Hein, parce que l'intérieur, en fait, ça fait un... Il y a un trou. Donc, vous pouvez mettre un petit cachet, un petit cadeau à l'intérieur. Et la personne, elle a son petit cadeau et sa petite carte en même temps. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.